Alors, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur MyAfrica TV. J'espère que vous allez très bien. Cette fois-ci, nous sommes avec un géant, géantissime de la musique camerounaise. Il fait super bien et il a également l'amour pour ce qu'il fait. Il a accepté d'ouvrir grandement ses portes pour que nous venions exploiter sa riche carrière pour inspirer la nouvelle. Vous êtes bien sûr connectés. Merci de rester tout connecté sur votre chaîne. Merci de toujours partager. On est ensemble. On s'en va avec Tino Mel. Je crie à l'humanité avec un certain Pays-Bas qui nous crée pas mal de problèmes. Aïe, ouais, maman, allez. Aïe, maman, oh, maman, mamie. Tu tiens, mais ça, tu tiens, tu le Ascoutu depuis à quoi non? Tous les hommes ont crié que c'est pas bien. Toutes les femmes n'ont que les yeux pour couler les larmes. Célestin Tawamba a dit non et il a créé ses femmes. Pour lutter contre les déserteurs du Pays-Bas et sauver l'humanité. Ah ouais. Tu es le carrefour des tous, tout le monde est passé par toi. C'est chez toi qu'on entre, c'est chez toi qu'on ressort. C'est chez toi qu'on entre, c'est chez toi qu'on ressort. On entre, on ressort comme les pilons dans le mortier. Et enfin récolter bonheur ou malheur, Pays-Bas. Nous voulons procréer, cela dépend de toi. Pour le plaisir à gogo, cela dépend de toi. Pour voyager sans décoller, tout dépend de toi. Oui, Pays-Bas, tout dépend de toi. Pays-Bas, oui, oi. Tout dépend de toi. Mon frère au tapis collant du Cameroun, Richard le Sawande de Londres, mon ami personnel. Pourquoi il y a le venin dans le repas? Mais c'est le venin, qu'est-ce que tu fous dans le repas? S'il te plaît, libère les lieux. S'il te plaît, libère les lieux. Tu ne libères pas, cinq femmes va te détruire. Raoul Chégué, le prince de Bayangam, toujours très fort. Pourquoi il y a le venin dans le repas? Mais c'est le venin, qu'est-ce que tu fous dans le repas? S'il te plaît, libère les lieux. S'il te plaît, libère les lieux. Tu ne libères pas, et cette femme va te détruire. Pour tous les efforts qui ont été déployés pour notre santé, notre nutrition et la lutte contre le chômage au Cameroun, mené par le groupe Kati Inverse, nous les disons merci infiniment. Merci président. Attention mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les passagers à bord du lit en destination du Pays-Bas sont priés de bien vouloir mettre la ceinture de sécurité avant le décollage. Merci de votre aimable attention. Il n'y a pas panneau danger, pas de lien de pré-signalisation, aucun panneau de signalisation pour nous mettre aux hangars. Signalisation, aucun panneau de signalisation pour nous mettre aux hangars. Il y a les IST, il y a le VIH, aussi trop de rancune entre les hommes à cause de toi. Ça me fait mal, je suis vraiment fâché. Comment peux-tu loger tout un groupe de malfaiteurs pour détruire les humains et partout dans le tiers monde? Pays-Bas, oh, Pays-Bas, oh. If you want love, Pays-Bas, you must take time. Pays-Bas a le venin, il y a le venin dans le repas. Pays-Bas a le venin, il y a le venin dans le repas. Pays-Bas a le venin, il y a le venin.
Il y a le venin dans le repas. 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 Mesdames et messieurs, comme annoncé, nous sommes bien sûr avec le curé des Bogos, celui même que vous connaissez comme Tino Mélès. C'est un chansonnier de la nouvelle génération et qui fait super bien. Je vais dire même, il combine l'ancienne génération et la nouvelle génération, c'est le juste milieu. Nous sommes pour naturellement exploiter sa riche carrière afin d'inspirer aussi ceux qui viendront derrière lui, afin de savoir mieux sur lui. Il est avec nous. Salut Tino Mélès. Salut Hacha, salut Hacha. Est-ce qu'il y a grosse forme? Ma très forme, tes enfants, tes enfants. Voilà, super. Alors, Tino, merci déjà d'avoir accepté de nous accorder de ton temps. Merci surtout de t'ouvrir à nous, parce qu'il sera question de parcourir ta carrière. Tino Mélès, bien à l'entame, qui est Tino Mélès? Qui est Tino Mélès? Vous te présentez. Oui, déjà, je dirais merci, c'est merci et partagé. Moi, je suis l'artiste Tino Mélès, né au nom de Innocent Yimélé, de l'autre côté de l'ouest, dans le département de la Maine-Noire, le village de Bafo, au quartier de Bafo Nord, précisément. Oui, lorsque vous entendez parler de pastoral, Jutitia, oui, voilà mon identité. Alors, Tino Mélès, oui, là c'est l'identité, c'est naturel, c'est ce qui est inscrit sur l'acte de naissance, c'est ce que la nature a voulu que ce soit. Maintenant, quand on regarde à côté, Tino Mélès a laissé presque tout, a refusé peut-être d'être un mécanicien, a refusé d'être peut-être un docteur, a refusé d'être pour choisir la musique. Pourquoi la musique, Tino Mélès? La musique, je ne l'ai pas choisie au hasard. Je suis inspiré de la musique depuis très longtemps, depuis même l'école primaire, je peux déjà le dire. Bon, vous savez, la musique, déjà, c'est une œuvre de l'esprit, ça vient de l'esprit. Et donc, lorsque tu es déjà encadré dans ces domaines, c'est difficile. C'est difficile pour toi de te débarrasser. Alors, Tino Mélès, la question qui nous vient en tête, aujourd'hui, on dit chanteur Tino Mélès partout, on marche partout, on voit les affiches de Tino Mélès, des concerts, des spectacles de Tino Mélès un peu de partout. Oui, depuis combien de temps ta carrière professionnelle, musicalement parlant, décolle? Quand est-ce qu'on décide d'être professionnel? Depuis 2019. Et en réalité, j'ai fait la musique depuis 2000. Voilà. Début 2000. Voilà. Début 2000, il est dans la musique, sa carrière professionnelle décolle justement en 2019. En 2019. 2019. Via quelle chanson? Au titre, dans, en fait, un album d'interpellation. Oui, plus précisément, avec un titre intitulé Pays-Bas. Pays-Bas. Oui. Dans Interpellation, on a Pays-Bas, qui est peut-être le titre phare. Titre phare. Après de ça, on a quoi d'autre? Après Pays-Bas, vient la seconde chanson qui est C'est pour tout. C'est pour tout. Oui. Après C'est pour tout, la troisième chanson, c'est Codem Melon. Bon, puisque tout le monde entier nous écoute, C'est pour tout, ça veut dire quoi? C'est pour tout. Bon, c'est-à-dire, c'est une chanson qui m'a personnellement beaucoup marqué. L'inspiration est venu de très loin. Ouais. Bon, vous savez, nous vivons un monde vraiment bizarre. Et puis on embrasse un peu de partout, on embrasse n'importe quoi, un peu de partout. Et parfois ça vient nous suivre n'importe comment. Justement. Oui, oui. Et parfois même vous trouvez tantôt certaines personnes innocentes en prison, par-ci par-là. Ouais. Oui. Et voilà pourquoi lorsque Tino Mélès essaie de résumer tout ça, il se rend compte que beaucoup des échecs et beaucoup de problèmes qui nous suivent, ça provient de nous-mêmes. Ouais. Donc, et si chacun de nous pouvait comprendre que à chaque acte ou à chaque moment, il fallait réfléchir avant d'agir, ou il fallait réfléchir avant de répondre à qui que ce soit, on serait épargné de tout ça. Voilà pourquoi je demande à tout un chacun, c'est pour tout, c'est-à-dire poser le doigt sur la tête avant de... Donc, poser le doigt sur la tête avant de réfléchir, encore réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de répondre.
Oui, également Pays-Bas dans ce même album. Pays-Bas traite de quoi? Oui, Pays-Bas dans son intégralité, lui nous interpelle à prendre vraiment nos dispositions, à être prudents, puisque Pays-Bas interpelle les gens, comme je venais de le dire tantôt, oui, de se méfier parce que dans Pays-Bas, on trouvait le bon, on trouvait le mauvais. Oui. Et le mauvais, nous devions éviter. Oui, nous devions prendre des précautions et afin d'éviter tout ce qui est mauvais dans Pays-Bas. Bref, s'il faut comprendre, on a utilisé un thème, je vais dire quoi, atténuant pour parler des Pays-Bas qui est bien sûr relation sexuelle. Donc, ça veut dire que Justement. fait l'amour, voilà. Justement. Donc, Pays-Bas, c'est également une interpellation. C'est une Il y a interpellation. du bon, il y a Il du y a du mauvais. mauvais. Ça nous permet de faire des enfants. Ça nous permet, par exemple, de, je sais pas, de chasser le stress. Chasser le Mais en même stress. temps, nous trouvons des En même temps, maladies on et trouve des tout, des maladies, grossesses des précoces. grossesses précoces, parfois même des rancunes, etc., etc. Alors, Tino Bellet, Pays-Bas, Tsepoto et tout, bien d'autres, qu'est-ce que ça déjà rentabilité, je veux dire quoi, en termes de rentabilité, qu'est-ce qu'on a déjà reçu de ces chansons? Bon, quand on dit rentabilité, on va forcément dire financièrement. Peut-être des gens apprécient les œuvres acceptées par le public. Quelle est je veux dire quoi, quelle la position de ton public face aux sorties de ces chansons? Et sans vous mentir, je suis ému. Je suis ému. C'est si le pays pouvait nous accompagner, c'est qu'avec ce titre de Pays-Bas et Tsepoutou, c'est que Tino Mellé devait être très loin aujourd'hui parce que sont les deux chansons, pas seulement les deux, presque l'album en général est beaucoup accepté, apprécié par le public de Tino Mellé. Et bon, et c'est tout ça qui m'encourage à ne pas baisser les bras. Lorsque je vois, je passe Tino Mellé et fais-nous la capella de Tsepoutou, fais-nous la capella de Pays-Bas. Bon, ça me réjouit. Ça me réjouit, ça m'encourage beaucoup. Voilà le propos. Je veux vous en présenter
Elle s'appelle tout simplement Etats-Unis. Etats-Unis, vas-y. C'est un genou, c'est pour moi. J'ai le nom de plus, mais celle que je voulais vous présenter tout à l'heure, elle a trop d'amour. Elle porte dans son cœur et dans son cœur et dans sa tête l'amour. Elle aime l'amour et même lorsqu'elle danse, elle danse avec beaucoup d'amour. Et je pense que vous allez bien applaudir. Je suis à Canada, au Canada, je suis en Côte d'Ivoire, je suis au Sénégal. Lorsque mon présent, il y a trop de bruit. Mais je ne sais pas pourquoi dans mon pays natal, je ne vois pas autant de bruit qu'ailleurs. J'espère que vous êtes prêts à accueillir une chinoiselle. Elle est trop forte, elle vient de très loin. C'est une fille, elle s'appelle. Non, je ne veux pas parler son nom tout simplement comme ça. Vous aimez le feu? Est-ce que vous aimez le feu? Vous aimez le feu? Ok. Elle va vous apporter la flamme. C'est pour toi, la flamme. Si tu es premier, tu es prêt, tu es le meilleur. Ça commence comme ça. Est-ce que vous appréciez ça? Est-ce que vous appréciez ça? Et c'est la femme d'amour. Si le pays n'a pas pu nous offrir ce que nous voulons, nous sommes quand même issus des différentes familles, nous sommes entourés de personnes. C'est vrai, on sait, Tino Mele est forcément orphelin, il est orphelin, d'après les informations que nous avons à notre disposition. Mais on dit orphelin, ça ne veut pas dire perdre papa et maman, ça ne veut pas dire qu'on est totalement orphelin, pour dire que non, il faudrait certainement compter essentiellement sur le pays. Est-ce que ton entourage sera pour aussi un problème dans le décollage de ces albums? Bon, vous savez, on ne peut pas avoir tout ce qu'on a besoin. Mm-hmm. Mais de ce fait, Tino Mele se réjouit aujourd'hui mm-hmm. de son entourage parce qu'il y a des personnes de bonne volonté, de mm-hmm. bonne moralité, ouais. oui, qui se décident de ne pas laisser tomber Tino Mele. Mm-hmm. Bon, c'est grâce à eux, ce dont moi
je tire un coup de chapeau et que je ne peux pas leur dire merci parce que si aujourd'hui, si je me mets à dire merci à quelqu'un comme Tapicolor, Ricardo de Londres, pour moi, ça serait comme une insulte. Oui, et en dehors de... il y a beaucoup de public qui me soutient, qui m'accompagne, et physiquement, moralement, et à chaque moment où j'ai à communiquer avec mon public. Bon, Tino Mele, c'est un artiste vraiment... Quand j'ai écouté ses chansons pour la première fois, franchement, j'étais peinté, là. J'ai dit, si j'avais les moyens, comment je peux trouver les moyens pour soutenir ce monsieur? Malheureusement, je n'ai pas de moyens. Mais j'essaie un peu de donner le meilleur de moi-même. Parce que vraiment, c'est un monsieur, c'est un artiste qui a le talent. Ça, je ne vous mens pas. Prenez un peu du temps pour suivre ses chansons. Vous allez me dire. Bon, je vous invite massivement à suivre l'artiste Tino Mele, un bon chanteur vraiment, qui encourage la culture et vraiment l'encourager fort pour pouvoir surpasser quoi. Et nous lui disons grand merci, que le Seigneur continue à lui bénir et pour qu'il puisse massivement tous les tours nous produire la bonne musique. Merci à toi Tino Mele, merci pour tout ce que tu fais pour la nation camerounaise, merci. Tino Mele, c'est un artiste à soutenir. Toute la communauté Bafou, particulièrement Melon, doit sortir en masse pour soutenir l'artiste Tino Mele. Et on nous disons merci à l'artiste Tino Mele d'être venu nous rendre visite, d'être présent dans notre établissement Tapicolor. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. À avoir l'écouté, il fait de la bonne musique. Nous nous disons que le Seigneur puisse l'accompagner dans tout ce qu'il désire entreprendre. Merci également. Voilà. Quel est le spectacle où tu as assisté en disant, je veux dire, où tu as presté et voir un public tellement mobilisé, répondant, tu as dit, waouh, j'ai eu raison de choisir la musique. C'est moi le montagnard, c'est moi le curé des beaux gosses. Quel est ce spectacle-là? Bon, disons que en dehors de ma soirée dédicace, qui n'était pas populaire, mais qui était riche dans l'organisation, tous mes spectacles sont hyper bons. Encourageants. Justement, on dit l'homme vit dans une société et forcément doit faire partie des associations et autres, parce qu'on dit dans d'autres cieux ou sous d'autres cieux, en s'agrippant dans des associations d'artistes qui naissent partout dans les communautés, on peut s'y agripper pour grandir. Est-ce que ta communauté en question, ça veut dire déjà ton village, est-ce que tu as déjà reçu le soutien de cette communauté en question? C'est ta famille que tu dis te soutenir. La communauté en question, vous savez, c'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. Donc, je continue à les tendre la main, à les exhorter de me soutenir, de m'encourager, car je ne travaille pas pour moi, je travaille pour la communauté, je travaille pour le pays. Voilà. Oui, qu'est-ce qui t'a marqué positivement dans ta communauté? Dans ma communauté, ce sont des appréciations d'abord, des appréciations, oui, des encouragements, la présence physique lors de mes spectacles. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué négativement dans ta communauté? Ce qui m'a marqué négativement dans ma communauté, et une communauté que j'aime d'ailleurs très bien, c'était que j'ai été surpris une fois où, lors d'une fête de la communauté, on demandait à Tino Mele de payer le cachet, de payer un montant minimum de 10 000 francs afin de prester. Waouh! Donc, au lieu qu'on paye Tino Mele pour l'encourager à venir prester, c'est Tino Mele qui devrait payer pour prester. Pour prester. Waouh! Oui, c'est bon, c'est, sinon, moi, j'ai pas pris ça comme un problème parce que vous savez, chacun a son couloir. Et on tu n'as pas pris comme problème, mais c'est problématique. Oui, c'est problématique. Temps, exactement, parce que les collègues ont vu ça autrement. Ils se sont même beaucoup moqués de moi. Bon, je sais qu'avec le temps, je vais essayer de ramener. Je vais essayer de ramener les gens à comprendre ce que c'est que la musique, ce que c'est que la culture. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut encadrer et respecter un artiste de la communauté ou d'un pays. Tino Mele, à côté de ta communauté propre, je pense que tu fais partie d'un département. Je ne voulais pas entrer dans la région, mais allons-y pas à pas. Tu fais partie d'un département et forcément dans le département, il y a des associations, des artistes en fait.
Est-ce que tu peux nous parler de Akam? J'ai eu à entendre quelque part qu'il y a Akam qui a existé. Je ne sais pas si ça existe encore. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, exactement. Je fais partie de membres, je peux même dire membre influent de Akam, mm-hmm. qui est Association culturelle des artistes ménois de Douala. Mm-hmm. Oui, depuis fort longtemps. Mm-hmm. Oui, je me suis intégré. Ouais. Lorsque le grand frère et lui, Marie Etisso, mm-hmm. il était président. Ouais. Oui, après lui, c'était le feu Biocans. Mm-hmm. Oui, après le feu Biocans, mm-hmm. on se retrouve aujourd'hui dans le régime de Bonascool. Bonascool. Oh, oui, À qui on fait un coucou au passage. Salut Bonascool. Bonascool. Un coucou, président. Mm-hmm. Bon, et là, je dirais que les choses ne sont pas comme... des années attendez, comme par le passé. Oui, vous savez, à chaque moment, mm-hmm. Dans la communauté, mm-hmm. Vous savez, on gère les hommes. Ouais. On gère les hommes, chacun a sa mentalité, chacun a son comportement. Tout à fait. Oui, oui. Les choses ne peuvent pas, à chaque moment, aller à 100% comme on veut. Mm-hmm. Oui, il y a parfois, ça monte, parfois, ça... Et justement, on dit, si les choses vont à 100%, il faut avoir peur, il faut trembler. Tout à si tout va seulement bien dans la vie, il faut se poser des questions, s'arrêter, dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, Akam, on continue avec Akam. Oui, Akam, ce que je peux encore dire de plus, bon, nous sommes dans la relance. Ouais. Nous sommes dans la relance. Dans la relance, et quand tu regardes dans ces relances, tu ressens un véritable éveil de Akam? Bon, je peux dire que ce n'est pas encore ça, mm-hmm. mais j'espère qu'avec le temps, et si les artistes de ce département portent cette Akam dans le cœur, mm-hmm. oui, les mauvaises habitudes seront rejetées, ouais. les bonnes seront accueillies, et puis le reste va faire chemin. Justement, l'artiste Tino Mélé, le curé des beaux gosses, à côté de l'Akam, autre association. Oui, tu sais, l'artiste Tino Mélé aime collaborer beaucoup avec mmh. des artistes. Mmh. Oui, à côté de Akam, mmh. je suis avec une autre association mmh. appelée BRTV. Mmh. Oui, BRTV qui veut dire Bantu Artiste Événement. Mmh. Mmh. Voilà, BRTV. Parlons-en. Oui, oui, BRTV, c'est une association mmh. des artistes Bantu. Mmh. Bantou plus précisément, mmh. oui, et qui aussi apporte beaucoup, ouais. oui, entre Bantou mmh. et artiste événement ouais. et Akam, mmh. les deux ont contribué dans ma carrière. Okay. Les deux ont contribué dans déjà, ma carrière. Déjà des prestations faites à Biaeven, des prestations aussi futures, donc des prestations précédentes et les prestations présentes ou futures, on en parle. Oui, déjà, je veux dire, mmh. Le BRTV se porte très très bien. Ouais. Mmh, se porte très très bien. Mmh. Et j'aime bien cette association ouais. parce que on fait des bonnes choses. Mmh. On fait des bonnes choses. Et lorsqu'il s'agit des spectacles, on organise des bons spectacles. Mmh. Oui, 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 ce qui valorise aussi l'artiste. Mmh. Oui, voilà pourquoi. Je tire un coup de chapeau au président Angelo Didier, mm-hmm. oui, qui est le président de cette association. Ouais. Alors, un événement avant annoncé au Biaeven pour Tino Mélé. Oui, exactement. Vous savez, ce début d'année a été beaucoup. C'était vraiment difficile. Ouais. Oui, a fait quelque chose comme. Selon le planning de Tino Mélé. Mm-hmm. Oui, mais malgré tout, lorsque l'on vit. L'homme doit avoir espoir et vivre aussi. Oui, oui. Oui, raison pour laquelle Tino Mélé s'est décidé de relancer les activités de l'année 2002. Et voilà 2022, mm-hmm. s'il vous plaît. Mm-hmm. Déjà le 24 de ce mois, mm-hmm. 8 le dernier vendredi, mm-hmm. Tino Mélé serait au She Life. Le 24 juin. Mm-hmm. Oui, pour accompagner l'artiste. Chimita de Johannesburg. 24 juin pour accompagner l'artiste Chimita de Johannesburg. Ouais. Et mm-hmm. en même temps que pour annoncer son spectacle exclusif, mm-hmm. oui, qui aura lieu le 29 juillet 2022. Voilà. Toujours dans la même salle.
dans la même salle à Makabe Bisoké, face Bokom. Il dit qu'il sera en spectacle le 24, ceci pour accompagner l'artiste Timita de Johannesburg. Derrière cela, il annoncera son spectacle qui aura lieu le 29 juin 2022. À tout le public de Douala. Un appel, il faut faire appel à tes fans, il y en a la caméra. Oui, je reviens comme ça à mon public. Vous invitez, vous tous... À compter de maintenant que personne ne dort, nous sommes en train de préparer un spectacle inédit, exclusif, sinon mêlé, le 29 juin 2022, à Sulaf, au Sulaf, Makepe Misoké, face Bokom. Et je vous attends comme d'habitude, venez très très nombreux, comme d'habitude, et nous allions faire le grand frais du show. Oui, c'est ça. Rappelons que pour cet événement en question, On a un monsieur qui ne fait que bouger de ligne, qui est engagé, qui est déterminé plus que l'artiste. Est-ce qu'il vous fait aussi un coucou en passant? Oui, et je pense, bon, je veux comme ça faire un coucou à Tapicolo du Cameroun, Tapicolo du Cameroun, et tout ce que je peux te dire, que le Seigneur te protège. Amen. Bon, Tino Mele, à côté du spectacle, il y a ton actualité. Ton actualité, c'est quoi? Je veux dire, ce que tu vis actuellement avec là, c'est quoi? Bon, c'est vrai que l'annonce de l'événement, ça fait partie de ton actualité, n'est-ce pas? Tout à fait. Derrière cela, quels sont tes projets futurs, tes projets après? Oui, les projets futurs, et ça ne peut que concerner plus la culture. Oui, oui, parce que sinon, elle a toute une feuille de route. Elle est assez longue. Ouais. Oui, c'est-à-dire, après, sur Life, et le mois de décembre, je serai à l'ouest. Je serai à l'ouest au Cameroun. Et avant ça, je compte également trouver des moyens à ramener les populations de ma communauté et qui résident ici à Douala. Et puis, pour mieux m'exprimer, pour mieux m'exprimer, justement et avec qu'on fasse de temps en temps la fête. Si possible, chaque année, une fois par an. Ok, apparemment, il y a une chanson qui est en train d'être préparée pour ça compléter l'album. Tout à fait, ce n'est pas seulement une seule chanson. Oui, des chansons. Oui, il y a des chansons. Et je dirais même d'ailleurs que Tino Mele entre déjà bientôt au studio pour préparer la prochaine album. Bon, prochain album très prochainement ou encore très proche. Tino Mele, à côté de ce que... l'artiste fait, l'artiste chanteur fait, il y a quand même ceux qui sont derrière qu'on appelle les musiciens. Il y a également les danseurs, il y a ceux qui arrangent. Est-ce qu'il faudrait en même temps citer cela, nommer cela, question de faire un coucou au passage? Oui, je ne manquerai pas de faire coucou à Shira Record Musique actuellement, de l'autre côté du Canada, sans oublier Tab Record Musique. Je veux dire le grand Pelé le Roi. Voilà les deux arrangeurs qui m'encadrent depuis fort longtemps. Et les deux à qui moi je fais confiance. Ouais. Oui. Bon, ce Bouchek Musique, c'est Chura Shira Musique. Shira Musique. Ah, Shira Musique. Je veux donc parler de Chege Blaise. Chege Blaise, on vous salue cordialement de ce côté. Vos danseurs, les danseuses. Oui, mes danseuses. Et en fait, ils sont là. Ils sont là, bon. Bientôt, ils vont entrer dans le travail. Justement. Bientôt, le travail commence. Ouais. D'ici la semaine prochaine, le travail commence. Sinon, est-ce qu'il n'y aura pas aussi toute vidéo en préparation? C'est déjà programmé. C'est déjà programmé. Tout est programmé. Mais on va évoluer au fur et à mesure. Oui, oui. Si possible, même sinon, on pourrait même finir par faire tous les clips de tout l'album. Oui. Pourquoi pas toutes les chansons? Dans des choses à venir. Sinon, on va te laisser quelques instants de te sentir à l'aise toutes tes chansons. Tu pourras faire 2, 3, la cappella, pas forcément finir toute la chanson, mais tu pourras faire 3 a cappella de tes chansons. Et vous voulez que je commence? Sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas de souci. On écoute l'artiste Tino Mele. Bon, je veux commencer par la cappella d'un slow que le public aime bien. Sous des marinas. Je prends juste le refrain de Ole wagango ngochete wie marina 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 my love marina marina Marina,
c'est bon. Je suis tranquille, merci. Là, je suis toujours avec Tino Mélé. Dennis, une autre chanson. Ok. Ofundangi shononanye, embuzengo kenzengbeti. Ofundangi shononanye, embuzengo kenzengbeti. Bawole fundashum a temega shembeti uzili chusi. Bawole fundashum a temega shembeti okute fanse. Yake temkute poba. Bufula, bufula. Ontila go sorry for you. Bufula, bufula. Ontila go sorry for you. Yes, so. Tché pour tout, fais comme moi. Tché pour tout, pointez-nous tes mignonnets. Tché pour tout, tché pour tout, magou tché pour tout. Et quand t'es nous t'es bien chaud. Donc là c'est interpellation, c'est interpellation. On a eu Marina, on a eu interpellation. C'est pour maintenant Pays-Bas. Pays-Bas. Il n'y a pas panneau danger, patriant des pleins signalisations. Aucun panneau de signalisation pour nous mettre en garde. Il y a les IST, il y a le VIH. Aussi trop de rancune entre les hommes à cause de toi, ça me fait mal. Je suis vraiment fâché. Comment peux-tu loger tout un groupe de malfaiteurs pour détruire les humains et partout dans le tiers-monde? Pays-Bas, 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 yeah, 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 maman, yeah. Fantastique, fantastique. Merci, merci. On comprend que l'artiste en question, ou encore Tino Mélé, a puisé dans sa langue première pour mettre dans la musique, ce qui a donné des colorations très particulières. Maintenant, l'artiste fait dans quel registre? C'est un registre mix. Mm-hmm. Oui, je fais dans le Makossa, il faut toujours varier. Mm-hmm. Oui, tu fais dans le Makossa, le slow, le zouk, la world music également. Voilà. Fantastique. Mm-hmm. Bon, l'artiste, c'est vrai, on écoute et on a aussi envie de réécouter, envie de partager. Comment on fait pour avoir l'artiste Tino Mélé dans un spectacle? Oui, pour avoir Tino Mélé dans un spectacle, il faut le contacter au... Mm-hmm. 677 46 61 32 ou alors 699 67 67 0170. Oui. Merci. Également sur Facebook, on a... Sur Facebook, c'est Tino Mélé. Tino Mélé, on trouve facilement l'artiste. Oui, oui, YouTube également, YouTube. Tino Mélé. Tino Mélé. Alors l'artiste, qu'est-ce qu'on va dire pour sortir? Pour sortir, je ne manquerai pas de dire merci à toute l'équipe technique. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la culture camerounaise. Merci. Oui, merci pour ce que vous... Et merci d'avoir également invité Tino Mélé. Oui, je suis très content. Et que Dieu protège cette émission pour que ça aille de l'avant. Voilà. Est-ce qu'il sera question de faire encore une dédicace pour des personnes où on s'en va Non, je ne pouvais pas faire un podcast. Parce que tout le monde, en fait, sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Bon, on pense à, aux fans, au soutien. Fans au soutien, Tino Mélé. Fans au soutien, Tino Mélé, que moi, je les aime beaucoup. Et je continue à vous dire, c'est grâce à vous que je suis encore debout. Et je compte toujours sur vous, je compterai sur vous. Ouais. Tant que vous me soutenez, je vais vous faire des merveilles. Des merveilles. Je serai toujours prête à votre disposition. Ouais, merci. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir d'avoir l'artiste Tino Mélé. Je vous ai dit à l'entame, c'était un véritable chansonnier de la nouvelle génération. Qui, je vous le dis, celui qui est juste au milieu entre la nouvelle et l'ancienne génération, puisqu'il allie ancienne et nouvelle pour faire de très belles choses. Il chante en sa langue première et il est tellement très jovial. À très bientôt pour une autre édition de notre émission sur MyAfrica TV. Merci à nos nombreux abonnés qui sont toujours là et à nous soutenir. Merci de toujours inviter vos amis à s'abonner sur la chaîne parce que le futur nous appartient. On est ensemble.